Salut tout le monde, c'est Warconix et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Oui, première fois en facecam, alors ça devait pas du tout se passer comme ça. Je voulais produire des vidéos facecam pas tout de suite, mais malheureusement j'ai dû faire autrement. Ce n'est pas un objectif de like ou quoi que ce soit, rien du tout, pas ça. C'est que je voulais produire des vidéos gaming tranquillement, me faire une petite communauté comme ça et après me montrer. Mais bon, potentiellement cette vidéo ne sera pas vue, donc c'est pas grave. On va faire un unboxing sur la saison 9 de Fairy Tail. Il y a deux coffrets et du coup j'espère que ça vous fera plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis bah let's go, on va commencer tout de suite. On a le visuel du premier. Le deuxième est juste ici. Qui dit unboxing dit live reaction. C'est pareil, les live reactions ça devait pas être tout de suite, mais je pense que ça va être dans peu de temps, hein, si vous êtes intéressé, comment je fonctionne. Quand il y a des vidéos spéciales, je m'y dis spéciales. Là, c'est une vidéo un peu spéciale, entre guillemets, vu qu'elle n'était pas prévue. Je mets un objectif de like. Si vous le mettez, on va potentiellement faire les live reactions rapidement sur Fairy Tail. Voilà, il fait très simple, il faut juste 30 likes. La première partie comporte le P278A303. Et se comporte comme ceci. Il n'y a rien dedans. Là, ici, on a Natsu. Derrière, on a Lucie. Ici, on a Grey. Et à côté, on a Erza. Que ce coffret, j'en suis pas très fier. Pourquoi? Parce que la disposition des DVD et surtout le mécanisme qui a été produits pardon pour les DVD ne sont pas qualitatifs du tout, ça attache pas du tout et franchement j'aime pas. Voilà, donc là on a Mira Jane, on a Gajil, on a Luxus, Mavis, Jubia et en haut je crois que c'est Wendy, ouais c'est ça. Voilà, donc là on a aussi la liste des EP et j'espère que ça vous plaît. Voilà, de toute façon vous aurez tout un visuel, ne vous en faites pas. Donc le deuxième, un petit livret, on va regarder les DVD après, un petit livret qui se présente comme ceci, il est très qualitatif, hein. Il y a tout plein de trucs dedans, et à l'intérieur vous avez un truc incroyable, les signatures officielles des doubleurs comédiens. Si vous voulez voir et qui veut, admettons, vous voulez que je vous le scanne pour l'avoir, en très bonne qualité bien entendu, eh bien dites-le moi. Voilà. Vous avez les signatures de tous ceux qui ont travaillé pour la VF. Un petit hommage à Patrick qui faisait Luxus de 2011 à 2017, qui n'est plus seul. Donc voilà. S'il y en a qui veulent voir un peu plus en détail, vous me le dites et je vous fais scanner tout ça. Alors ça va être une fresque. Donc, pas du tout si ça va marcher, je vous le dis honnêtement, surtout que les DVD vont peut-être tomber. Verdict. Ok, c'est pas tombé, de toute façon vous la verrez mieux en détail. Faites pas. Voilà, et voilà, c'était sûr que ça allait tomber. Il y en a au moins un qui est tombé, c'est lequel? C'est Zelef. Est-ce qu'il a apprécié? Je sais pas ce qu'il a apprécié. Bon, bref, vous aurez de toute façon un visuel, ne vous inquiétez pas.
que là, les DVD ne tiennent pas du tout. Et franchement, je suis déçu des coffrets. Voilà. En plus, quand j'ai acheté le deuxième, je me suis dit, ils vont peut-être pas faire la même erreur. Et si, ils l'ont fait. Pourtant, ma vidéo avait fait beaucoup de vues. Donc, ils avaient tout pour pas faire la même erreur avec Anna. Sachant qu'ils n'ont pas sorti les coffrets au même moment. Donc, ils avaient largement le temps de faire en sorte de faire un nouveau design. Mais non, ils ont fait la même erreur. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir quand même de vous présenter ça. J'espère que j'étais bien explicite, que j'ai bien expliqué. J'ai pas été trop rapide, vous me le dites. Et puis voilà, moi je suis content de ces deux coffrets quand même, hein, tout de même. Je suis quand même un grand fan de Fairy Tail, mais c'est vrai que c'est un peu mal fait pour les DVD, pour les emplacements. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme je vous l'ai dit. Et puis moi je vous dis, c'était Warconix, n'oubliez pas, longue vie à Fairy Tail, à tous les univers d'anime. Et puis moi je vous dis, c'était Warconix, à la prochaine!